Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec Petit Swan. Ouais. Comment ça va Swan? Aujourd'hui il fait beau. Déjà alors oui, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Il fait beau aujourd'hui. Et eh bien oui, ouais, on va faire un cache-cache dans le jardin, voilà. Un cache-cache géant parce que quand même notre jardin est assez grand. Même si quand même il n'y a pas beaucoup de cachettes. Donc ça va être assez difficile. Justement, nous on aime bien la difficulté, écoutez. Ouais. Donc c'est parti pour un petit cache-cache, voilà. Je crois que c'est l'un des premiers cache-cache sur ma chaîne. Donc écoutez, ça fait toujours plaisir. Un petit cache-cache alors, pour l'été. Explique les règles. Alors les règles, c'est très simple. On va faire 3 rounds précisément. Donc en fait, bon, on aura un petit chrono juste ici, voilà, un nous le prendra pour celui qui se cache quoi. On fera un Shifumi bien sûr pour savoir qui va se cacher ou non tout simplement. Et du coup ça, on aura sa petite GoPro, regardez, ouais, voilà. On va chacun filmer notre petite cachette et du coup avec le chrono on verra celui qui prend le plus de temps à chercher l'autre et on verra qui gagnera. Et pour chaque round, le perdant aura un gage, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais des petites stories Insta pour vous demander quel gage vous voulez choisir pour nous, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça va être très drôle je pense. Donc en tout cas c'est parti, je vais vous montrer un petit peu le jardin, à quoi ça ressemble, pour vous montrer un peu les cachettes où on pourrait aller tout simplement. Parce que là vous voyez, on voit pas trop le jardin, regardez. Là on a une belle vue du jardin, voilà, et c'est pas tout. On va vous montrer un petit peu le résumé de ce magnifique jardin. Donc du coup ici on a le petit espace avec la piscine. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, on va compter jusqu'à 50, voilà, 50 chacun du coup. Donc là regardez, on a deux petites maisons, donc ça c'est des bons endroits pour se cacher, vous voyez. Là on a des bains de soleil, piscine, quelques gonflables. Bon, je sais pas si on va pouvoir vraiment se cacher. On a un petit espace juste ici, très sympa. Ici on a un petit trampoline, pourquoi pas. Après c'est un peu risqué de se cacher ici, on verra comment on fait. Là un magnifique arbre, c'est génial. Du coup voilà, là on vous a montré un petit peu un résumé du jardin. Voilà, donc Swan vient de se cacher. Meilleur cachet de tout le monde, génial. Bon alors Swan, du coup, est-ce que tu es prêt? Parfait. Donc Swan, viens, on va faire un petit choufoumi. Vas-y, mets-toi devant. C'est parti. Allez Swan. Chifoumi. Ok. Chifoumi. Ok. On est. C'est serré, hein. Chifoumi. Chifoumi. Mais avec nous ça dure 5 heures. Ok, c'est bon. Donc Swan, c'est moi qui me cache en premier. Ok. Je me cache en premier. Du coup Swan, tu peux prendre la GoPro, voilà, pour tes recherches, n'est-ce pas? Donc Swan, qui prend le chrono? Toi ou moi? Moi. Toi, ok, donc je te passe le chrono. Donc vas-y Swan, tu comptes jusqu'à 50 et quand t'as fini de compter, bah tu lances le chrono tout simplement. Ok, donc tu comptes jusqu'à 50 bien lentement, parce que moi la cachette, okay, ça va être dur. D'accord. Du coup on va trouver une solution pour se cacher. Donc faudra vraiment être le plus discret possible. Donc Swan, tiens, je te confie mon téléphone. C'est parti. C'est parti. Tu peux aller compter là-bas. Je vais me cacher. Go, c'est parti. Bon, on va essayer de son trampoline, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un beau souterrain là, vous voyez. Voilà, on aura pas mal pour se cacher, je pense, à mon avis. Ça me trouvera peut-être pas du premier coup. Donc évidemment le but c'est de prendre le plus de temps possible, voilà, pour qu'on trouve. Donc là du coup, c'est lui qui a le gage, n'est-ce pas? Donc voilà. Ok, il va commencer à chercher. Mais non, mais je le vois. Mais non. Mais je te vois, Léo. Mais non, mais c'est une blague, tu me trouves en 2 secondes. Mais ça va être trop chaud. Alors comme je vous l'ai dit, vraiment c'est tout petit. Donc vraiment ça va vraiment jouer à la montre, mais à quelques secondes près quoi. Ok, donc Swan m'a trouvé hyper vite. Ok, génial. Bon écoute Swan, bien joué hein. Oh, c'est pas possible. Sérieux, ça va être trop dur. Donc Swan, tu m'as trouvé en combien de temps? T'as coupé le chrono hein? Il a continué le chrono. Ok, génial, trop fort Swan. Donc bah on va couper. Swan, mais qu'est-ce que tu fais? Il a même pas coupé le chrono. Bon bah écoute, si t'as pas coupé le chrono, on va se mettre à 55 secondes. On va dire qu'il m'a trouvé en 55 secondes et 21 millisecondes. Ok? Ok. Bon, fallait qu'il le coupe avant, ok? Du coup, c'est parti. Donc Swan, on va screener du coup le temps que tu m'as trouvé. Voilà, je vais faire un petit screen. Et du coup maintenant on va passer à ton tour. C'est parti. Ça va être à toi de te cacher, moi je vais compter. Est-ce qu'il va être un meilleur caché que moi? On verra. Voilà. Donc du coup la caméra de Swan n'a pas filmé malheureusement, ouais, parce que il y a un petit problème avec ses caméras. Bah voilà, les GoPro, vous savez, hein, les meilleures caméras au monde, génial la qualité. Bah souvent oui, souvent oui. Ou pas forcément. Éteinte carrément, on a dû enlever la batterie et la relancer. Super. Donc bon, maintenant ça va être à Swan. Donc ça, là normalement Swan tu peux filmer hein. C'est bon, là elle marche, okay, la GoPro. Donc du coup c'est parti, je vais aller juste là-bas. Je vais me cacher, enfin je vais pas me cacher, non, je vais compter jusqu'à 50. Et d'ailleurs Swan, du coup on va attendre ton round. Et là on pourra faire le gage tout simplement. Donc c'est parti, moi je vais compter jusqu'à 50 et après on va chercher Swan. Donc Swan, je vais prendre le chrono avec moi. Allume ta caméra tout de suite je pense et tu vas pouvoir te cacher tout simplement. Allez Swan, je te laisse, go. Je vais compter et après on va lancer le chrono. Bon allez, je compte hein. Ok, du coup on va lancer le chrono. Donc j'espère que j'ai pas compté trop vite. Enfin, de toute façon là je vais lui laisser un peu de temps. Donc on va effacer celui-là. Je démarre le chrono, c'est parti. On va chercher Swan direct. Allez go, sprint. Donc Swan, où il pourrait se cacher avec sa petite taille? Ça devrait pas être trop compliqué pour lui de trouver une cachette normalement. Donc bon, alors, ok. Faut qu'on fasse mieux hein. Il m'a trouvé en 55 secondes. Faut qu'on fasse 40 secondes, non? Allez go vite. Ok. Swan, tu peux me dire où t'es hein? C'est bon, le cachet est fini. Enfin, on sait jamais, on peut trouver des petites solutions. T'es dans la maison. Hein. Oh mais attends, je l'ai trouvé direct. Swan. Sérieux. Swan, t'es cramé hein. Et voilà, j'ai trouvé Swan direct. Et là, dommage hein.
Tu m'as trouvé moins vite que moi. Ouais, bah j'ai trouvé en 27 secondes. World record. Ok, moi Swan, je pense que j'ai gagné ce round, hein. Bah non, parce que moi on sait pas. On sait pas, c'est-à-dire? Bah on sait pas combien de temps. Bah si, regarde, moi j'ai mis le chrono. Et oui, voilà, 27 secondes 69. Swan, je t'ai littéralement massacré. Donc là c'est parti Swan, on va demander sur Insta un gage. Donc Swan, voilà. Écoute, c'était une bonne cachette, c'était original. Mais bon, vu que vous trouvez des cachettes très originales. Flamant rose, ça aurait été pas mal en vrai. Si t'aurais pu le faire, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué pour moi. Mais bon voilà Swan, hein. Là il y a des petites cachettes. Faut vraiment trouver la cachette la plus originale possible pour prendre plus de temps, hein, tout simplement. Ok, donc c'est parti, on va demander un gage sur Insta. Soyez pas trop sadique avec Swan, le pauvre. Ok. Bon Swan, les abonnés ont choisi le gage. Tu vas sauter dans la piscine habillé. Est-ce que ça va aller? Allez Swan, donc c'est parti, hein, écoute. Ils le disent tous, hein, ils veulent tous que tu fasses ça. Donc ça n'aime pas trop ce gage, mais bon, écoute Swan, c'est pour la bonne cause, hein. T'as perdu le premier round, donc voilà. Allez Swan, donc je te prépare à sauter. La température, on sait jamais, hein. Filme bien avec la GoPro Swan, hein. Ok, d'accord. Allez Swan, 3, 2, 1, go. Ça va Swan? Est-ce que ça va? Elle est bonne. Ok, tiens, prends ma main. Écoute, voilà, tu as réussi le gage en tout cas, donc Swan va vite te changer, écoute, et on repart pour la suite du challenge, enfin du cache-cache. Bon, écoutez, pendant que Swan se change, on va dire des trucs inutiles, hein, comme par exemple, j'ai remplacé mes chaussures par des tongs, voilà. Passionnant. Non, en vrai, ce qu'on pourrait faire là, c'est prévoir nos cachettes pendant qu'ils changent. Voilà, on pourrait gagner du temps, réfléchir à des cachettes. Moi, j'avais une idée là, pour la prochaine cachette, déjà il y aura Shifumi, donc je sais pas si je vais faire en premier, mais j'ai une cachette vraiment pour être sûr de gagner. C'est, alors soit je monte sur le toit de la maison qui est derrière, soit en fait je me cache tout en haut de l'arbre qui est juste ici, voilà. Bon, alors pas tout en haut, mais essayer d'aller le plus haut possible, on va dire, pour essayer de bien se cacher. Après, il y a de la sève dans Star, donc ça va être chaud quand même, mais bon, c'est tous une bonne idée. Il va peut-être me voir du premier coup, on verra. Je choisirai entre les deux, j'espère que l'une des deux sera la bonne pour gagner en tout cas. Donc là Swan, on va attendre qu'il se change et on va repartir du coup pour le cache-cache. Ça y est, Swan fait son retour parmi nous. Ok, c'est bon Swan, ça va? Donc là on va faire Shifumi du coup pour le deuxième round. J'espère pas avoir de gage, j'espère pas avoir de gage. Ok, Swan, viens, c'est parti. Okay. Shifumi. 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 Mais avec... Oh non, c'est fou, avec nous c'est ultra serré. Bon ok, donc c'est Swan qui... tu te caches du coup. Voilà, et c'est moi qui vais compter. Donc c'est parti Swan, je vais compter jusqu'à 50 et ensuite je vais lancer le chrono. C'est parti. Bon, écoutez, c'est parti, du coup je vais compter. Go. Voilà, c'est superbe. Ok, c'est parti du coup, donc là j'ai compté, on va lancer le chrono. Est-ce que Swan est caché? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. On va attendre un petit peu, je sais pas si c'est complètement caché. Alors du coup, on va démarrer le chrono, c'est parti. On va partir à sa recherche, go. Du coup, où est-ce que Swan peut se cacher? Alors déjà à la première vue, je le vois pas, donc sa cachette doit pas être si mauvaise que ça. Ok, bon, faut vraiment qu'on y aille vite par contre, parce que bon, j'ai pas envie de me prendre de gage là, vraiment pas. Est-ce qu'il va tenir une minute au moins? Alors, Swan, tu vas me dire où t'es, hein, tu sais? C'est quand même pas que je suis dans la deuxième maison. Non, c'est bon, c'est pas que je suis dans la deuxième maison. Ok, là il a l'air d'être une meilleure cachette qu'avant. Là franchement, ça a l'air pas mal. Attends, mais je le trouve vraiment pas. Sérieux? T'étais là? Mais attends, mais... 43 secondes. Donc franchement Swan, pour une cachette aussi nulle, t'as quand même tenu longtemps. Sérieux, regardez, il a tenu 43 secondes. C'est une blague, la cachette était ultra nulle, on le voyait si on regardait tout le bout du jardin. Franchement, non mais Swan, c'est une blague. Sérieux, pire cachette au monde et pourtant il a quand même fait 43 secondes. Comment je vais faire pour rattraper ça moi? Ok, donc Swan, je vais screener du coup ton temps. On va voir du coup pour la suite. Donc Swan, tu vas compter jusqu'à 50. Vas-y, vas-y, go. On va monter sur le toit de la maison. Je vais monter là, hein. Attends, je me croche vraiment là? Ça va être trop chaud, attendez. J'essaie de pas tomber ou de pas renverser la maison. Non, attends, c'est pas une bonne cachette là. Mais non, non, c'est nul. Attends, je vais me cacher là. On va se cacher dans le buisson. Genre vraiment au fond du buisson. Voilà, on va se fondre dans la masse. 50! Alors, où est-il? Il y a un petit truc qui a changé. Attends, non, mais pas ça. Mais où est-il? Mais où est-il? What? Attends. Il est peut-être dans l'autre maison. Est-il là? Où est-il? Je te vois! Non, il m'a trouvé. Oh yes! Attends, ça fait combien de secondes du coup? Bah, je sais pas. Non, mais sérieux, t'es vraiment paumé toi. Attends, du coup. J'ai rien compris moi. Mais sérieux? Donc Swan, ça fait 53 secondes. Ok, donc Swan, je t'ai littéralement atomisé. Yes. Ma cachette était vraiment nulle, je me suis juste caché derrière la maison. Yes, du coup Swan, j'ai une bonne cachette quand même, hein. Du coup, Swan, je gagne ce round. Encore un gage pour toi? Oui.
Bon, un autre gage cette fois-ci. Elle est pessoise, voilà, encore un gage. Donc Swan, je vais demander du coup sur Insta pour ton gage. Ok, donc ça fait au total 53,67 millisecondes, voilà. Mais franchement, à la base, je vais me cacher juste au-dessus de la maison, tu vois, sur le toit qui est là. Mais j'avais pas monté, tu vois, je suis pas assez fort. Et du coup, je me suis caché derrière. Et finalement, ça allait très bien. Écoute Swan, du coup, je vais demander un petit gage pour petit Swan, une deuxième fois. Bon Swan, qu'est-ce qu'ils t'ont choisi à ton avis? Je sais pas. Faire 10 pompes. Ça va? T'es assez costaud? Ouais. Vas-y, tu peux aller faire les 10 pompes juste ici. Vas-y, Swan, on compte sur toi. Swan Musclor. Swan in shape. Allez, go. 1, 2, petit vrai pompe quand même. 3, vrai pompe. 4, 5, 6. Allez, Swan, vas-y, on compte sur toi. 7, 8, 9, 9, 9. Allez, 10. Allez, go. Du coup, voilà, Swan, tu as réussi le gage. Bon, c'était quoi le plus dur? Piscine ou les pompes? Piscine quand même? Ouais, piscine. Enfin, non, les pompes. Allez, parce que la piscine et You a été bonne. Ah ok. Du coup Swan, maintenant le dernier round. Donc pour l'instant Swan, c'est vrai que tu n'as pas trop l'avantage hein. Ouais. Ce que je propose, c'est que le dernier round il vaut tous les points. Comme ça le gagnant du dernier round, bah voilà, il gagne le challenge tout simplement. Okay, d'accord. Donc pour ce dernier round Swan, on va pouvoir compter pendant 100 secondes, voilà. Donc okay. C'est plus long déjà pour trouver une meilleure cachette, tu vois, parce que là c'est vrai qu'on se trouve assez facilement. Donc bref, on va faire le Shifumi. Swan, c'est parti. Shifumi. Shifumi Swan. Ok, donc c'est moi qui commence à me cacher. Du coup Swan, ce que je propose, c'est que tu ailles dans la petite maison qui est là. Donc Swan, je pense que tu devrais ne pas oublier ta GoPro et ton minuteur, n'est-ce pas? Voilà, savoure tes 100 secondes Swan, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Là je vais trouver peut-être une bonne cachette, donc bon. Vas-y Swan, go. Ok, allez, c'est bon. Les gars, on va pas aussi. J'ai anticipé le maillot de bain, donc c'est parti. On va dans le jacuzzi, il me trouvera jamais, j'en suis sûr. Ok, on est caché. Il me trouvera jamais là, c'est pour ça que je vais te rassurer. Sans, c'est parti. On va commencer par là. Hein. J'espère que je vais trouver rapidement cette fois-ci. Attends, est-ce qu'il m'a refait cool? Non, non, ça va. Non, 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 pas là, pas là. Il ne trouvera jamais la session. Le jacuzzi est trop froid, j'ai pas froid, il est pas chauffé, donc voilà. J'espère que je l'ai trouvé. Attends, il est pas là-dessous. Où est-il? Je suis sûr qu'il est pas là-dedans. Non, il n'est pas là. Mais il est où vraiment? What? Hein, je vois pas. Il est où? Ok, il va commencer à me trouver. Tiens. Je suis sûr de gagner ce challenge. Pas là, pas là. Mais où tu peux me dire où tu te caches, hein? Ouais, ouais, on est des frères, tu sais. Pas le droit de te cacher ici. Vas-y, maintenant. Il a eu trop peur. Ça va, Swan? Je t'ai bien eu. Mais je savais pas qu'on avait le droit de se cacher. Bah, si, Swan, c'est le jacuzzi, la piscine, on a le droit de se cacher où on veut, là. Hein. Oh. Oh, je l'ai bien eu. Allez. Ah, ça faisait le prank et en même temps la magnifique cachette. Hein. Donc, Swan, combien de temps du coup? Fais voir. Ah ouais, 2 minutes 22, Swan, je t'ai littéralement atomisé. Attends, on montre. Ouais, voilà, 2 minutes 22. Donc Swan, pour le premier round de ce... Enfin, pour la première cachette de ce dernier round, t'es quand même mal barré, hein. Comme t'as galéré à le chercher, à la fin, je me suis dit, bon, on va quand même se montrer parce que le pauvre Swan, hein, voilà, il galère. Du coup, voilà, pour cette première cachette, Swan... Tricheur, mais de quoi? On a le droit, Swan, non? Sérieux, mais... Là, je te vois pas, c'est pas une cachette, ça. Eh ben, c'est principe qu'on le voit pas, justement. Swan, il commence à rager, là, parce que... Sans la défaite. Bon, c'était ultra froid dans le jacuzzi, là, c'est trop froid, hein, je vais me changer. Bon, Swan, du coup, hein, voilà, pas trop triste, ça va? Si, quand même. Allez, du coup, la dernière cachette. Swan, faut vraiment que je trouve une cachette de malade, vraiment, pour gagner. Ça va vraiment être chaud pour toi, mais là, faut que tu trouves la cachette ultime pendant que je me change, ok? T'auras un peu de temps, du coup, allez. Je te laisse, Swan, salut. Bon, du coup, je me suis changé. Swan, il est un peu en mode rage, là. Hein. Il n'arrive pas à trouver de cachette. Swan, t'en as quand même une, là, ça va, ça passe? Donc, je vais compter jusqu'à 100, donc franchement, tu devrais avoir le temps. Donc, là, c'est parti. J'ai maintenant compté. Swan, compte sur toi pour trouver une super cachette, clairement, pour réussir à me battre pour ce dernier round. Oublie pas, si tu le gagnes, tu gagnes tout le challenge, ok? Ok, d'accord. Du coup voilà, franchement la team de jacuzzi c'était pas mal, même si c'était super froid, clairement. On avait oublié de chauffer le jacuzzi, j'avais ultra froid pendant la cachette. Bref, ok voilà, c'est parti, j'ai compté jusqu'à 100. Swan, c'est parti, je compte sur toi. Je vais mettre dans la maison, hein, comme t'as fait toi, ok? Ouais. Allez go. Ouais, du coup on va rentrer dans notre maison, c'est parti. Allez, out. Bon les go, du coup Swan, je vais dans ma demeure. Je compte jusqu'à 100, Swan c'est parti, go. Swan, cache-toi hein. Ok, donc Swan, je sais pas du tout où il est caché, c'est parti. Je lance le chrono direct, démarrer. Donc voilà,
ce que je propose, c'est qu'on lui laisse un peu de temps quand même, parce que voilà, j'ai quand même fait 2 minutes 22, donc bon, c'est chaud. Hein. J'ai fini. Quoi? Mais il vient de nous montrer où il est. Mais Swan, sérieux. En fait, Swan et moi, on est voisins. Swan, je crois bien que tu es un poil cramé. Non. Sérieux, non mais c'est une blague. T'as pas cherché à avoir une bonne cachette là, hein? C'est trouvé en 11 secondes. Swan, attends, cherche une autre cachette quand même. Je compte jusqu'à 50 cette fois, mais tu cherches une autre cachette parce que bon, là quand même, bon. Du coup, c'est reparti pour compter jusqu'à 50. Go! Du coup c'est parti. Du coup on va aller le chercher, je vais lancer le chrono. Go. On va chercher le chrono, on va lancer le chrono, voilà, démarrer. On va lui laisser un peu de temps, hein. Voilà. On attend 20 secondes. Regardez, 20 secondes sur le chrono. Allez, 30 secondes quand même. Quand même, le pauvre Swan, on va lui laisser 30 secondes de plus. Franchement, voilà, pour l'instant on va faire une petite visite de ma grande maison, vous voyez. Voici ma maison, donc voici ma salle de vie. Génial. Avec ici mon téléphone. Alors comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de circulation, hein. Je suis à côté d'une grande ville. Bon allez go, c'est parti du coup. On arrête de blablater, on va chercher Swan. Swan qui a sûrement trouvé une méga cachette. Alors, du coup, le temps que je sors déjà, ça va prendre 5 secondes. Enfin même 20 secondes. Bon alors, cher Swan, où tu te caches? Comme trouvons. Swan, c'est pas quelqu'un qui va reproduire mes cachettes, donc il est peut-être pas dans les cachettes où je suis déjà allé. Non. Dans le. Sérieux, il s'est caché dans le trampoline. Bon bah j'arrête. Non, tu m'as pas vu. Non, sérieux, oui, je t'avais. Oui, je t'ai passé à côté. Effectivement. Bon, écoute, voilà, Swan, je t'ai trouvé. Bon, niveau cachette quand même. Trampoline, c'est pas non plus la plus incroyable, hein. Bon, en tout cas, voilà, je t'ai trouvé, écoute, à 1 minute 34. Donc, bon, je t'ai quand même laissé beaucoup de temps. Même si, quand même, t'as quand même bien géré. Donc, écoute, voilà, moi, je t'ai quand même battu au final. J'ai gagné ce cache-cache, mais juste avant qu'on termine, n'est-ce pas? Tu n'oublies pas le petit gage quand même, hein. Oui, le petit gage qui fait plaisir. Ouais, t'es content. Oui, super. Et bien, voilà, Swan, je t'ai trouvé. Et on va faire un petit gage. Et Swan, ça va? Pas trop stressé pour le gage? Regardez, il est serein, hein. Est-ce que t'es toujours serein? Tu dois manger du fromage, Swan. T'en vas pas, hein? Assume ton gage, Swan, assume ton gage. Non, Swan, tu dois faire un croque dans le fromage. Du bon président, regarde. Tout le monde aime le fromage. Y'a plein de gens qui aimeraient croquer dans ce fromage. Mais regardez comme il s'en va, franchement, c'est une blague. Swan, allez, regarde, tu vois le petit croque là, vas-y. Parfait, il est pour toi. Non, mais Swan, il a même pas d'odeur le fromage. Hein. Swan, c'est vraiment la blague, tu vois. Il y a même pas d'odeur sur le fromage. Swan, c'est pas un vieux fromage moisi, hein, qui sont hyper forts. Hein. C'est juste de l'emmental comme ça, hein. Ça a même pas de goût, franchement. Allez, Swan. Bon, Swan ne veut pas du tout le fromage, mais vraiment pas. Donc finalement, il va peut-être aller chercher des Jelly Belly. Écoutez, ça va le faire aussi, Jelly Belly. Hein. Moi, ça m'est égal. Non, mais les abonnés aussi m'ont demandé des Jelly Belly, donc bon. Si Swan ne peut vraiment pas résister au fromage, on va lui prendre des petites Jelly Belly. Mais pas des goûts tranquilles, hein, vraiment des goûts hard, n'est-ce pas? Oh mais Swan, il s'est ramené une petite surprise, regarde, des Jelly Belly. Donc Swan, il préfère les Jelly Belly au fromage, tout est normal, hein, clairement. Enfin bon, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas du tout le fromage, mais bon là c'est vraiment un fromage qui a pas trop de goût, donc bon, quand même, pas abusé, hein. Bref, il y en a pas trop dedans, hein. Attends, mais il y en a certains qui sont clean, hein. Donc Swan, ça va être au hasard, je vais en prendre, je vais prendre une petite poignée, donc c'est parti. Donc Swan, j'ai pris une poignée, bon, quasiment toute la boîte en réalité. Du coup là Swan, je vais les secouer, je vais en faire tomber deux, et c'est toi qui vas choisir celui que tu veux entre les deux. Hop, hop. Ils sont pareils. Voilà. Et eh ben écoute, s'ils sont pareils, tant pis. Hein. Attends, on va voir les parfums. C'était aléatoire. Hein. Je vais regarder les parfums. Alors attends, ça a l'air clean quand même. Hein. Alors lui, c'est œuf pourri. Lui, c'est pas poisson pourri. Ça ressemble un peu à la couleur, non? Ouais, je crois bien que c'est. Bah écoute, t'as le choix, œuf pourri ou poisson pourri. Je te laisse le choix, hein, clairement. Swan, ça va, hein. Ça revient un peu au fromage, non? Genre, j'ai les bides parce qu'après, maman, elle va vraiment être puante. Mais écoute, Swan, voilà, t'as choisi ça au lieu du fromage. Donc maintenant, tu assumes, n'est-ce pas? Fais ton choix, en plus, ça peut être un bon goût, hein. Franchement, surtout, tu vas savourer ton bonbon, hein. 3, 2, 1. Go, oui! Vas-y, Swan! Ouais! Swan! Ouais! Bravo, Swan! Bien joué! Alors, il est bon, Jelly Belly? Attends, ah, c'est pas trop. Attends, c'est noix de coco ou il est avarié? Alors, c'est quoi du coup? C'est pas trop? C'est bon de l'avarié finalement. Noix de coco? Bien écoute, bah voilà, c'était un bon goût finalement, t'as eu de la chance. Bah Swan, bah ouais, c'était pas si l'enfer que ça finalement. Ouais. Bah voilà, t'as réussi ton troisième gage. Bien joué Swan, voilà, écoute. Bon, finalement, le gagnant c'est moi. Mais au moins, tu as fait quand même tes trois gages sans flancher, donc bravo. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo de ce cache-cache. J'espère que ça vous aura plu. On a fait 3 rounds. Le gagnant, c'est moi. Bon, après, ça sent évident, hein. Je suis plus grand, c'est normal. Après, bon, finalement, c'est peut-être pas un avantage, hein, d'être grand parce que Swan, il est petit, il peut aller partout en fait. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, Swan, t'as perdu, c'est pas grave. T'as fait 3 gages. Il a subi, hein, vraiment. En tout cas, voilà, j'espère que ce cache-cache vous aura plu. Franchement, moi, c'était très sympa, je trouve. Hein, je me suis éclaté. Le coup du jacuzzi, franchement, c'est ce que j'ai préféré. Toi, Swan, t'as préféré quoi? Le premier round parce que la piscine était bonne. Premier round, quand il a eu le gage parce que la piscine était bonne. D'accord, bah c'est ce que Swan a préféré. Oui. Bon, du coup, voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Si vous voulez une suite de ce cache-cache, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, exploser le compteur des pouces bleus, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Allez, on vous laisse. Salut!